J'ai l'impression que ma mère ne voit que moi. Mon statut de vedette l'omnubile. Il faut que je fasse attention. Cela est frustrant pour Manon, qui a composé au quotidien avec maman, qui est toujours là, avec elle, pour elle. Manon et maman me font penser à un vieux couple parfois. Benoît est plus près de Manon. Elle ne lui fait pas peur. Manon n'est pas menaçante. Elle est toujours là pour lui, Juliette et le petit Henri. Manon a l'art de nous rendre vivants, de nous faire exister. Me fait peur, me rappelle ma propre démesure, ma douce folie, ma terrible fragilité. Jusqu'où peut-on aller dans nos têtes, dans nos cœurs? Combien de souffrances l'âme peut-elle endurer? Samuel me prend sur l'îlot de la cuisine. Quand il me pénètre, je resserre mes cuisses sur ses hanches. C'est le seul instant où il est tout à moi. Je veux le garder en moi pour toujours. J'aime voir le regard de Samuel quand je mange son sexe. Je sais parfois ce qu'il pense, la grande actrice, la meilleure comédienne de sa génération, la vedette du petit écran que tout le monde aime est en train de me sucer. Moi, Samuel. Y a-tu de nouveau? Moi, faut que je m'organise pour faire le rapport sur lui, mais pour toute la gang, tout une chance de pas. Qui suis-je à présent, dans l'obscurité à tes côtés, à te regarder dormir, mon bel amour? Celle qui se perd un peu plus chaque fois dans tes bras. Celle qui oublie tout dans l'acte amoureux. Je me perds. Je m'oublie.